va commencer à souffler. Pour petit soleil là, récampé. Haïti, c'est soleil là. Nous pouvons prier, mon Dieu là. Nous habituer à la liberté, les arrivées. Pour nous prendre liberté spirituelle là, les arrivées. Nous habituer à la liberté, les arrivées. Pour nous prendre liberté spirituelle là, les arrivées. Comme le peuple va commencer à souffler. Petit soleil là, récampé. Haïti, c'est soleil là. Nous pouvons prier, bon Dieu là. Nous habituer à la liberté, réalité. Pour nous prendre liberté spirituelle, la réalité. Nous habituer à la liberté, réalité. Pour nous prendre liberté spirituelle, la réalité. Bonjour, bonsoir, Frem. Sommes dans toute race, toute nation, tout peuple, en pile monde. Vraiment, en pile monde a posé une question sur Facebook, en WhatsApp, Twitter et la trier. Sous différentes crises, mesdames et messieurs, qui a bouleversé le monde là, yon nan yo c'est Covid. 19, hein, coronavirus. Une maladie tête chargée qui mettait en pile dans la nation arrogante à tes plates et puis blasé. Je dis à nous voulons une réponse générale. Nous disons pas jamais un lien qui arrive par hasard. Tout bagaille doit passer. Selon Jean prophétie biblique yo te décrit yo pas jamais un rien mal ou bien qui qu'arrivé dans monde là si nèg en l'air pas bail autorisation. Nous tout contendé parole ça, l'homme propose mais Dieu dispose. Pour moun qui pas parler français yo, Nabdi Paul ça veut dire nom ou bien nation yo a fait plan pour ou bien contre l'humanité, mais c'est bon Dieu dans ciel là qui pour bail autorisation pour plan ça yo accompli. Pour qui ça? On pose tête nous en question. Pour qui ça? C'est comme ça ça fait. Gain plusieurs raisons, mais quelques n'ont plus gros raisons yo. C'est parce que premièrement, ça bon Dieu voulait, Satan pas voulait, alors que ça Satan voulait, bon Dieu pas voulait. C'est deux forces agissantes invisibles dans le monde là, toujours en constante opposition. Deuxièmement, prophétie doit être accomplie dans proportion yo supposé accomplie, pas en moins, pas en plus, mais exactement. Troisièmement, c'est parce que ça aide bon Dieu protéger nation yo et petit li yo sous terre. Par exemple, branche prophète là qui dans monde là. Si bon Dieu pas de contrôle événement yo, provoqué ou non, naturel ou non, Satan t'a mangé déjà. Satan t'a tout à laver le tremblement de terre qui t'est passé. Bon Dieu gen contrôle tout événement yo. Ça a aidé bon Dieu tout protéger 12 tribus qui dispersent qu'on y a dans toute nation. Mais si nous t'apprenons un deuxième exemple. Si nous prenons Haïti comme un deuxième exemple, mesdames et messieurs, qui a une mission dans le millénaire pour bailler l'humanité lumière, qui pourra jouer un rôle tout, capital politique et puis spirituel monde blanc. Satan, tu es au courant de mission Haïti. Satan est au courant de mission Haïti. Mais est-ce que Haïtien, tu connais un rôle ça? Non.
Satan concevoir déjà plusieurs plans pour décimer 12 tribus et puis peuple haïtien. Tant qu'on en cacatas, sans compter vaccin. Mais sans haïtien, yo pas même rendu compte. Plan ça ou pas jamais passé parce que négan l'a pas bail autorisation. Donc tant qu'yo kon di si on l'a pas bail à te pas joine. Pour finir, n'a pas dit millénaire ça, c'est un millénaire guérison. Et puis punition liée. Guérison pour l'homme qui t'a souffri dans rêve 2300 matin et soir. Donc dans rêve Satan. Alors que li punition pour tout l'autre homme et nation qui t'a bambilé dans rêve ça, rêve Lucifer, rêve démocratique là, côté peuple fait ça ou voulez marier Massissi ak ma divine. Après coronavirus. Après coronavirus, nous mettons certains, mesdames et messieurs, nous avons une autre catastrophe, naturelle ou non. Coronavirus, c'est un chauffe-jarrette. Ange mwete wè yo. Ange mwete wè ki te desan yo, pa gen état d'âme. Monsieur yo bien défini. Pour moi, pandémie, ça, c'est un signal qui lance pour réveiller tout homme qui t'a dormi, tout homme qui t'est plongé dans un sommeil très profond. Tant qu'un homme qui parle anglais ou t'a dit, that's a wake-up call. C'est un tap, bon Dieu dans le ciel là, ben nous, pour réveiller nous. C'est un tap, bon Dieu dans le ciel là, ben tout homme sur la terre, toute nation pour réveiller ou parce que l'état, très tard. Moi, personnellement, moi-même, Evans Briand, c'était yon nan nam sa yo. Yon nan nam sa yo qui te plongé dans un sommeil profond. Pour papa y a te réveillé. Pour te réveillé, papa y a te confiné. Pour 19 mois et puis 27 jours dans prison les États-Unis. Pour te réveiller, mesdames et messieurs, m'a répété pour nous. Pour te réveiller, papa y a te confiné pour 19 mois et puis 27 jours dans prison les États-Unis. Moi te comprendre si là. M'saisil. M'connecté avec elle et puis m'en réveiller. Je dis à Mabdi, devant toute l'humanité, merci, mon doux Dieu. Je dis à Mdevon pour me témoigner. Bénéfice confinement, renaissance spirituelle, moi. Oui, Mdevon, ou même Kap Gadem, qui noir, qui blanc, qui métisse. Je dis à Mdevon, Evans Briand, devant pour témoigner bénéfice confinement et renaissance spirituelle. Pourtant, Mondlandim fou. Mondlandi Evans Briand li fou. Mondlandi Branche, serviteur prophète là, li fou. Ou kon sa li répond yo? Ok. En tout cas, bon, rassurez-nous. C'est nom qui doit réveiller yo qu'a réveillé. Gen yo qui pap jam conscient. Qui pap jam ni wè ni tande. Parce que c'est nom animal yo yé. Antounen dans sujet nous mesdames et messieurs. Assoyez encore,
nous là pour nous terminer avec sujet A. Tribu de Joseph et tribu de Judas, quel rapport d'autorité? Dans la première vidéo, nous avons plus abordé quelques prophéties qui liaient à deux petits garçons, Yoshua, Jésus et puis Branche. Premier a sorti dans la tribu Joseph, deuxième dans la tribu Judas. Nous avons abordé tout. Conséquences désastreuses, mes interprétations yo gen pour l'humanité. Nous t'ai analysé deux chapitres dans le livre Ésaïe, fin 52 à 53. Chrétiens ont toujours évoqué, toujours utilisé pour établir Jésus c'est petit David. Malgré lui toujours démenti ça, toute force lui, tout côté le passé devant toute l'humanité. Nous t'ai passé tout en revue. Deux rêves Joseph t'ai fait yo. Nan yo nous t'ai commencé démontrer subtilement bénédiction lente à la fois terrestre et puis céleste. Assoya, nous pourrons partager un autre rêve avec vous. Lumière divine ça, mesdames et messieurs, changez toute compréhension. Des âmes te contentent dans la religion. Et puis tout, il te commencé par preuve palpable. Il y a une autre personnalité qui n'est pas Jésus, qui est venu dans le monde là. Autrement dit, sans ça, il y a confirmé la présence de l'autre missionnaire dans le monde là. Bagay ça. Fait plusieurs religions prend un coup mortel. Tant que l'islam, le judaïsme, le christianisme et la trier. Dans la date 9 mai 2005, dans le moment confinement, nan, papa y a été bon un songe extraordinaire, mais simple comme bonjour. Rêve ça, il y a la fois bouleversé compréhension la Bible, et puis démenti tout nom animal. Qui dit au c'est docteur, n'en connaît bon Dieu. Ça veut dire, si la yo qui dit au c'est maître et puis docteur dans théologie, tête chargée. Mais lui, l'aime reconnaître moi dans son sang, moi te ouais devant, yon forme tan kou apparence yon garçon, col te tan kou yon masse fumée, m'kon ouais déjà dans l'autre rêve. Et puis lui dit mon créole. Moi pral montrer ou ça qui écrit dans le livre la vérité a. L'aime garder li tourner une page, mais grain ça me te qui t'est écrit dans toute phrase qui t'est dans page ça, c'était une égalité Jérusalem égale Joseph. L'aime fin li parole ça, li ajouter toute l'autre yo c'est adopté et puis me pantant. Jérusalem égale Joseph, toute l'autre yo c'est adopté. Ça deux paroles ça vous voulez dire. Nous connaissons Jérusalem, c'était capitale 12 tribus. Joseph même c'est 11e petit garçon Jacob, il était un plus gros personnage politique en Égypte. Adopté dans un petit veut dire un petit monde qui pas pour vous mais qui vient pour vous. Donc comment pour nous comprendre paroles ça yo, l'en connaît tout. Jérusalem c'est lieu sacré. Trône papaya Yahvé Sabaoth. Est-ce que petit garçon Joseph là, c'est à Jésus, grain petit bon Dieu a donc la parole incarnée. Comme trône petit là, si alors trône papa, Jérusalem trône Yahvé Sabaoth, c'est donc trône Jésus, trône Ephraïm et puis trône Joseph. Lumière ça, mesdames et messieurs, tape douce tant qu'au sirocan. Songe 9 mai 2005 là, tranché dans toute velléité, dans toute confusion ça. Et puis il portait lumière sur un paquet de prophéties qui était codé dans la Bible depuis 3000 ans. Jésus, c'est unique fils là, toute l'autre s'est adopté. Ça veut dire,
moi-même branche. Adam et Ève. Noé, Abraham et Sarah, Isaac et Rebecca, Jacob et Rachel. Ou même nom noir, kap gadem la. Ou même nom noir, blanc ou métis et latrié, kap gadem la, nous tous c'est adopté. Au fait, lumière sans sa potée là, détruit toute sa religion dans le monde là. Li fini avec le judaïsme, kap tan yo messia, pourtant c'est lui qui condamne yo. L'islam qui dit. Prophète Moïse t'est parlé dans mon Sinaïa, c'est Mohamed, alors que prophète là, c'est un haïtien. Troisièmement, il finit tout à chrétien qui croit dans Jésus comme petit David et puis capitaine du royaume dans le ciel. Alors que petit David là, pas gain royaume en l'air, c'est sur la terre, il parle là. Dans le ciel là, en l'air, c'est petit Joseph là qui seul chef. Zimpété. Zimpété, chers amis, Zando, Pétando, Tonkou Djakout, Musique Tadi. Dans deux tomes, livre, moi écrit déjà yo. Il y a un chapitre qui est pour titre, Jérusalem, le trône de Joseph. Moi, je demande nous l'île pour nous comprendre ce qui cause ça plus bien. À soya nous pas rentrer dans profondeur question ça mais conclusion sujet ça pour montrer effectivement Joseph c'est big chef là donc trône li c'est dans capitale là Jérusalem mais c'est dans bon an. Mais c'est dans bon an, Haïti côté troisième temple pour construire d'où la renaissance spirituelle d'Haïti Sion de Yoshua. Jérusalem du fils de Joseph. Devant Joseph, dans le troisième temple en Haïti. Donc, dans le sanctuaire, petit David l'a construit pour lui. Branche, doit baisser tête. Chaque jour, mettez la genou pour le bas Joseph gloire. Et l'a dit Amen. On avance toujours, step by step. On essaie de chercher dans la Bible. Livre bêtisé dans la science. Intellectuel, connaissance scientifique gonflée. Dit ces fables, dit ces mythes liés, pour yo créer propre théorie création pa yo. Livre nan animal, nan kap évolué dans spiritualité maléfique yo. Dit ces européens qui ban nou. Alors que la Bible jugeait et puis condamnait tout Européen qui a marié ma sissi avec ma divine. Livre basé dans la religion, il corrompt dans l'agence diverse pour créer une autre religion. Un simple coup d'œil dans le livre, dans la Bible, chers amis, montrez-nous différentes tentatives, papaya. Bon Dieu, dans le ciel, là, tu es fait pour l'établir le royaume sous terre. Vraiment, un simple coup d'œil, après tout, l'histoire 12 tribus ont révélé prééminence, fidélité, et puis royauté deux tribus, ça y est, tribu de Joseph, et puis tribu de Judas. Comme preuve dans la Bible, maintenant, on fait qui témoigner en faveur Samson dit là. Deux dans 12 espions Moïse étaient dépêchés, et puis qui étaient montrés loyal envers lui-même, envers Moïse, avec mon Dieu, dans le rapport espionnage, c'était Caleb avec Josué. Caleb, c'est petit Judas, alors que Josué, c'est petit Joseph. Deux, dans le premier juge, l'État d'Israël ancien, c'était Othniel avec Josué. Othniel, c'est petit Judas. Josué, et puis Josué, c'est petit Joseph. Les 12 tribus divisées, sous Rey Roboram, petit roi Salomon. Deux royaumes, c'était Roboram et Jéroboram. Roboram sortit dans la tribu Judas. Tandis que Jéroboram dans la tribu Joseph est la trier. Papaya dans souci pour te kembe tout nom dans lumière spirituelle. Te mette le clé, mais Satan confond nous. Il y avait sa barotte dans une déclaration ultime te dit, parce que je suis un père pour Israël, Ephraïm est mon premier-né. Je reprends pour vous, parce que je suis un père pour Israël, Ephraïm est mon premier-né. Qui était Ephraïm?
Mesdames et messieurs, comment Éphraïm est-il devenu le premier-né de Yahvé Sabaoth quand on sait que Joseph, dans ses deux songes, a vu s'agenouiller la lune, le soleil et 11 étoiles devant lui? Éphraïm, c'était deuxième petit garçon Joseph. Si Éphraïm, c'est deuxième petit garçon Joseph, et puis papa a dit c'est premier petit garçon, alors petit garçon qui a sorti dans la tribu Joseph là, c'est dans la lignée Éphraïm l'a sorti. C'est pas dans la lignée Manassé qui était premier petit garçon Joseph. Causez mon des chaises. Mesdames et messieurs, causez mon des chaises. Parce que pas gagne deux gens. C'est un seul Jean pour parole ça accompli. Oui, mesdames et messieurs, c'est un seul Jean. Un seul Jean pour nous toujours été dans bénédiction Joseph là et puis dans deux rêves lio. Fait Yoshua, Jésus, qui se graine bon petit papaya, tapi petit Éphraïm, tête chargée. N'a prend en première pause. L'entourne nous pour rentrer dans propre parole grand frère nous. Sauvez nous et puis rédempteur nous, Yoshua. Toute ça l'était fait. Tout ça l'été fait pour le dire, li pa petit David. Satan ak nom animal yo. Satan ak nom animal yo démentil et puis yo dit, c'est li ap servi, c'est li ap suivre. Tête chargée, puis raide. Tenez non, ces machines pour l'eau aussi. Eh bien, ma préférée, National Rent-A-Car. National Rent-A-Car, une compagnie de location nationale avec une flotte de voitures imposante prête pour toute destination. Ou sortir à l'étranger, ou voulez louer en machine, ou à marier, ou besoin en machine à meilleur prix dans une compagnie sérieuse et responsable, le seul nom à avoir en tête, National Rent-A-Car, que je vous invite à contacter au 4303 1551 au 3755 0055. Je m'appelle National Rent-A-Car. Pour nous commencer, on lit ensemble dans le livre Ésaïe. On lit ensemble dans le livre Ésaïe, chapitre 9, verset 5 à 6. Verset ça, il pour le faire comprendre et puis saisir rapport de tribus. Mais les hommes décident quoi ça voulait répéter sa berger religion, yo, comploter dans l'école pensée. Yo. Différents écoles pensées dans divers confréries religieux élaborer plusieurs thèses pour définir prophétie. Yo parlé de quatre, mesdames et messieurs. Prétérisme, idéalisme, historicisme et futurisme et la trier. Negochita a baptisé dans la faculté théologie, yo pensé yo ka apprendre bon Dieu dans l'université, alors que c'est dans la révélation papa y a instruit petit lio. Gana yo ki même pensé prophétie yo pa gen aucun rapport à présent. En pile l'autre même croit c'est poème yo ye. Alors que je dis à moi là. Non yon nan yo pa trouvé m'tap vini. Tête chargée. Dans vidéo mio surtout ça me réaliser dans studio ça. Moi pas souvent ba référence biblique yo. Pour qui ça? Moi faire comme ça. C'est une façon pour me dire nous la Bible. C'est aliment tout nom.
tout le monde doit manger. Si vous mangez déjà, vous avez réalisé toute référence que je prends, c'est dans la Bible. C'est vrai que pour nous, la Bible, c'est poison violent. Mais pour vous-même, vous regardez là, l'on mange le vibre ou vous comprendre sambrali là, c'est la dent. C'est la dent que je prends. En lien ensemble, frère, sommes dans toute race, dans toute nation, verset ça yo, c'est un plus gros argument contre thèse que Jésus c'est petit David. Car un enfant nous est né, un fils nous a été donné, la domination est reposée sur son épaule. Et voici le nom, saisissez mesdames et messieurs, et voici le nom qu'on lui a donné, conseiller merveilleux. Dieu puissant, paix éternelle, il n'y a pas de paix éternelle, mesdames et messieurs. Prince de paix, il n'y a pas de prince de paix. Son grain petit qui gagne, c'est le prince de paix à Jésus. Pour que dans une paix sans fin, s'étende sa domination, saisissez. S'étende sa domination sur le trône de David et son royaume, afin qu'il les sécurise et les soutienne dans le jugement équitable et dans l'intégrité dès maintenant et à jamais. L'amour jaloux de Yahvé Sabaoth fera cela. Je reprends pour vous, mesdames et messieurs, parce que c'est extrêmement important. Car un enfant nous est né, un fils nous a été donné, et la domination est reposée sur son épaule. Voici le nom qu'on lui a donné, conseiller merveilleux, Dieu puissant, Père éternel, Prince de paix, pour que dans une paix sans fin, s'étende sa domination sur le trône de David et son royaume, afin qu'il les sécurise et les soutienne dans le jugement équitable et dans l'intégrité de maintenant et à jamais. L'amour jaloux de Yahvé Sabaoth fera cela. Là, chers amis, faisons et puis poser tête nous un paquet de questions. Toi, nan yo, c'est qui petit garçon ça? Toute domination tombée sur l'épaule l'IA. Deuxième question, je suppose poser tête nous. Qui petit garçon ça qui gagne? Non. Conseiller merveilleux, Dieu puissant, Père éternel, Prince de paix, etc. Troisième question. Qui petit garçon ça tout? Qui a autorité sous tourne David là pour le sécuriser, soutenir et l'attrier? Pour deux, dans trois questions ça y est. Nous t'a répondre moins, c'est Jésus. Bon tout fait mise au point ça. Gien pile l'homme qui a bêtisé. Et puis qu'a blasphémé contre Jésus. Parce que européen yo blanchi Jésus. Donc pour yo Jésus pas existé. Je dis à m'a dit nous. C'est pas parce que yo changé non nous qui fait nous pas juif encore. Donc c'est pas parce que yo bon nous Jésus blanc qui fait Jésus noir pas existé. Ben Satan ressaisit nous. Yeshua c'est la parole incarnée. Donc, lui-même et Papaya, c'est un seul. De tout nom, ça y est, c'est non tout. Père éternel, Dieu puissant, Prince de paix et l'attrier. Mais pour troisième question en tout, en fonction des sorts qu'on entendait, ou t'as toujours dit, c'est Jésus. Dans le cas ça, si ça t'a vrai, Jésus t'a bien à la fois comme mission pour le chita sous trône David là, sécuriser et puis protéger. Non. Nous dit non. Jésus c'est petit Joseph, li sorti dans lignée Ephraim. En gade, qui réponse? Jésus te bay moun qui te vin zilio. Et Hérode by Lord pour touyer tout si monde qui te gen moins passé 2 ans dans zone côté li te fait la Bethléem.
Jésus te répond comme ça. À Rama, une voix est entendue, lamentable et plaintive amèrement. C'est la voix de Rachel qui pleure ses enfants et refuse de se consoler parce qu'ils n'existent plus. Je reprends pour vous, mesdames et messieurs. À Rama, une voix est entendue, lamentable et plaintive amèrement. C'est la voix de Rachel qui pleure ses enfants et refuse de se consoler parce qu'ils n'existent plus. Nan réponse ça, mesdames et messieurs. Je souhaite te code ligné tribali. Subtilement, il te vle dit, l'iseyon nan petit Rachel yo, waïro te vle décimé tout. Mais Satan pa vle reconnaître parole ça. Pour qu'à confondre serviteur prophète qui t'a venu en branchant. Pour nous comprendre des ça, gardez combien de générations, gardez combien de générations qui allaient dans l'enfer, qui t'attendent l'église enlevée, qui dit c'est royaume céleste qui attend, pourtant royaume serviteur ça, c'est sur la terre lié. Haïti, c'est pourtant trône, c'est vitesse ça. Haïti, c'est capitale politique et spirituelle royaume ça. Gros cause ça, t'es caché dans la Bible. Toute nom, toute religion et la trier, t'es ouais noir, tête chargée. Qui est-ce, Rachel T? Rachel, c'était yon nan quatre mamans petit Jacob yo. Principalement, maman deux derniers petits Jacob yo. Donc, maman Joseph et Benjamin. Joseph, nous te compte ça déjà. C'est 11e petit garçon Jacob que bon Dieu choisit. Devant, d'après deux rêves, et puis bénédiction Jacob Tebal, toute l'autre tribu doit mettre à genoux. Si nous retournons dans la réponse Jésus Tebal, nous dit, dans un petit genre très 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 subtil, il était voulu retracer l'origine comme petite Rachel. Autrement dit, maman, Marie, c'est pita petit Ephraim. Mais contemporain Lio, apôtre tout pas de jambes saisi ça. Chrétien yo même qui vin gen jodi a toute la Bible nan men yo pas jambes occupé Jésus tan kouchen. Parce que yo pas gen aucun rapport avec elle. Jésus pas berger yo. C'est Paul qui berger yo. Jésus dit li pas vin abolir la loi. Yo même y abolir parce que Paul dit c'est sous la grâce yo yé tête chargée. Mais on a une plus belle réponse. Jésus te baille pour rele en moué. En moué, il suspendit ce petit David. Mais malgré ça, il rele comme ça plus raide. Pourquoi m'appelle ton fils de David? Lorsque David lui-même, mu par l'esprit, a déclaré, j'ai vu mon Seigneur prendre place à côté de mon Dieu. Si David l'appelle son Seigneur, comment alors peut-il être son fils? Et sa réplique, la réplique de Jésus est fort sévère dans le livre de Marc. Comment est-il que les scribes maintiennent que le Christ, le prince roi, est le fils du roi David quand ce dernier l'appelle son Seigneur? En quoi alors, mesdames et messieurs, peut-il être son fils? En tout cas, je dis encore, nous refrappons l'emboule figu Satan, qui dans la religion, pour dire suspendre by menti, suspendre vos noms dans l'enfer avec la Bible, bon faux berger. T'es un seul ange qui t'a une mission pour t'expliquer prophétie, briser sur ce yo, c'est petit David là. Non, c'est branche, c'est vite prophète là. Si on dit, parole ça c'est menti, donc on tout dit bon Dieu c'est un menteur parce que c'est la Bible qui dit. Ces branches, ces vitéas qui viennent by créance à toute sa prophète yo te wè, attendez. Tant qu'on nous te démontré ça déjà dans la première vidéo. Pendant que vous t'a baptisé, par les tétins, mauvais esprit même t'a créé confusion dans la tête contemporain Jésus. Dans la tête en pile dans le premier disciple autour, Jésus même pas occupé yo. Il t'a mis des précisions pour serviteur prophète là. Et puis il dit, en vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas dans la bergerie par sa porte, mais l'escalade par
un moyen quelconque est un voleur et un bandit. Celui qui entre par la porte est le berger du troupeau, est le berger des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des bandits, mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Je vous prends ce verset pour vous, mesdames et messieurs, parce que c'est extrêmement important. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas dans la bergerie par sa porte, mais l'escalade par un moyen quelconque est un voleur et un bandit. Celui qui entre par la porte est le berger du troupeau des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des bandits, mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Donc, si Jésus, ces portes-là, qui est-ce qui passait en premier dans la porte-là? Et puis, il a déclaré le berger du troupeau. Berger 12 tribus, berger tout le monde ou bien tout le nom de mon Dieu choisi. D'abord, on précise, bergeria, c'est paradis, jardin Éden. Et puis, troupeau, c'est tout le nom qui était soumis dans le ciel là, qui ne prend pas dans des ordres Lucifer et puis qui a incarné sur la terre. Rappelez-nous, moi j'ai abordé la question ça dans la vidéo. Salvation et puis justice salvatrice là. Asroya, nous pas prêter trop souli. Mais n'a précisé dans vidéo ça, nous te dit que tout nom qui vient pour retourner dans bergeria, donc dans paradis, supposé passer dans du feu qui n'en met deux chérubins. Deux sentinelles ça yo placé devant porte paradis, flamme du feu qui n'en met yo, symbolisé baptême du feu. Qui doit réengendrer spirituellement toute âme sur terre. Porte là, c'est salvation ou justice salvatrice. C'est plein ça. Nous t'essayons de décrypter, briser saut sous lit pour vous dans la vidéo salvation et puis justice salvatrice là. Regardez la vidéo ça, n'a pas comprendre plus. D'ailleurs, non petit garçon qui sorti dans la tribu Joseph là, et puis non serviteur qui sorti dans la tribu Judas. Tout de non sa yo kode nan plan sa, nan plan justice salvatrice la. Yoshua sorti nan Yahvé, notre justice salvatrice, alors que branche nan Yahvé est notre justice salvatrice. Saisissez bien, Yoshua sorti nan Yahvé, notre justice salvatrice, alors que branche sorti nan Yahvé est notre justice salvatrice. An li pou nou comprendre. Que le monde n'a pas qu'à tromper encore de ses vitesses. Parce que nous avons accordé non dans plusieurs versets, tant que ça, nous avons lu pour vous là. Regardez, les jours seront venus, déclare Yahvé, où je susciterai une sainte branche à David, une sainte branche à David. Yahvé, dans son omniscience, tourait les branches sa branche. Il régnera comme roi et sera sage en faisant ce qui est juste et droit dans le monde. En ces jours, Judas triomphera et Israël vivra en sécurité. Voici comment on l'appellera. Saisissez. Voici comment on l'appellera. Cette sainte branche de David. Yahvé est notre justice salvatrice. Mais Asroya n'a avancé pour pire devant. Petit David là, c'est devant toutes 12 tribus qu'on doit mettre à genoux. D'après ça, nous t'ai démontré dans la première vidéo. Qu'on y a nous arrivé dans le moment. Nous arrivé dans le moment pour nous redemander tête nous. Qui est-ce en premier qui passait dans la porte paradis? Porte ça que Jésus dit, c'est lui-même. Non. Bon, moi, le livre, c'est ça pour vous. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas dans la bergerie par sa porte, mais l'escalade par un moyen quelconque est un voleur et un bandit. Celui qui entre par la porte est le berger du troupeau des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi, avant Jésus, sont des voleurs et des bandits. Mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte.
En râler quelques versets, nous te prend pour déjà dans vidéo salvation et justice salvatrice là. Mais yo, qui a fait venir de l'Orient? Ça c'est pour essayer de comprendre qui est ce monde qui premier passé dans porte ça. Dans porte que nous dit c'est justice salvatrice là. Qui a fait venir de l'Orient? Celui dont la justice salvatrice est appelée à sa suite. A dit justice salvatrice a commencé à appliquer après moun sa fin passé. Celui à qui il avait délivré toutes les nations et assujetti les rois. Lui qui avec son épée, l'épée c'est la parole, parole qui a sauté en bouche li. Lui avec son épée les réduit en poussière et avec son arc pour trier la paille. Bon Dieu dit, je l'ai moi-même suscité de la justice salvatrice. Et je vais aplanir toutes les voies devant lui. Son monde qui va gagner succès. En mission sur la terre. Il reconstruira ma cité. Ma cité, c'est Haïti. Il ramènera mes exilés à la maison. À la maison, c'est à la bergerie, sans rançon et indemnité, déclare Yahvé Sabaoth, parce que mon Zabaï vit en sacrifice pour toute rébellion sur la terre. Chef l'a décidé en grand monde. Il dit, je n'ai pas parlé en secret, en un quelconque obscur lieu du monde souterrain. Bon Dieu dit, mon monde en baptême, ça n'a vivre là-là. Je n'ai non plus dit, enfant de Jacob, cherchez-moi dans le carreau. Je suis Yahvé qui proclame la justice salvatrice. Yahvé a décidé. Un monde qui a posé la question. Je suis Yahvé qui proclame la justice salvatrice. À moi-même, je le jure, ce qui vient de ma bouche est la justice salvatrice. C'est une parole irrévocable. Devant moi, tout genou fléchira et par moi jurera toute langue en disant, en Yahvé seul, sont la justice salvatrice et la force, jusqu'à ce que ceux qui s'acharnent contre lui viennent couverts de honte, s'abaisser devant lui, devant le fils de David, devant branche. C'est Vitea, mesdames et messieurs, petit David là, branche, c'est premier monde qui passait dans plan sa sous terre. C'est ça que fait, c'est lui-même qui brisait sous sous lit. C'est ça que fait, c'est lui-même qui expliquait le tout. Personne pas de jambe tendait te gagne un pote qui relait salvation ou justice salvatrice. En qu'un homme pas de jambe tendait rien en plan ça. Ça du séyen ak pharisien yo. Apôtre ak Paul, religion yo, trône spirituel ak politique Satan. Pas qu'a dit rien en ça. Yo pas de connaître. Yo style rete bekeke. C'est Haïti qui a une mission, mesdames et messieurs, révéler. Haïti c'est lumière, toute nation. Haïti c'est lampe, monde là. Fois ça, sans cacher main, voye wash. Il avait dit serviteur, passe. Pour les barrières. Nettoie donc un chemin pour mon peuple. Nivelle la grande route. Haute dans les pierres. Lance un signal. C'est ça femme sodou. C'est ça femme sodou que pandémie coronavirus est un signal. M'dis-nous son signal lié. Voici ce qu'a proclamé Yahvé. Au coin le plus éloigné de la terre. Pas oublier, prophétie au bail en Orient. Coin le plus éloigné de la terre, c'est Occident. Dites à la fille de Sion. La fille de Sion, c'est Haïti. Voici que vient ta salvation. C'est sa femme dit dans vidéo, salvation 1. Salvation, son plan qui est commun, qui a appliqué pour yon brebis et pour yon nation. Voici que vient votre salvation. Dites à la fille de Sion, dites à Haïti. Dis à la fille de Sion, dis à Haïti. Voici que vient ta salvation. Avec elle vient sa récompense. Haïti attend nos frappes pour Haïti délivrer. Ses actions le précèdent. Salvation, Haïti pas fait rien pour ça. On les appellera le peuple saint.
les rachetés de Yahvé, lors même que vous serez appelés, cherchez après cité n'est pas délaissé. Mais là, bon Dieu, codé non on bagaille. Cherchez après cité n'est pas délaissé. Mes amis, prophétie toujours vivant. Yo t'attend yon millénaire. Millénaire ça, point pile nan yo te accompli. Yo t'attend yon serviteur pour te briser sou yo, pour te expliquer yo. C'est vrai gan pile radote qui crache sou yo. Gan pile nan animal nan spiritualité maléfique kap pale fatra sou yo. L'église catholique dit c'est pour aimer yo. Le pape même cherche ti verset pal pour légaliser pédophilie. Mais rien pas jamais sorti sou yo, la Bible était la Bible. Mes messages papaya ba serviteur pour bay toute petite Haïti. Tendez bien mesdames et messieurs. Mes messages papaya ba serviteur pour bay toute petite Haïti qui deyoyo notamment si la yo qui la caille madame Belzébuth donc la caille la fille vierge de Babylone. Gardez-vous, gardez-vous, fuyez de la terre du nord. Saisissez. Yahvé déclare, car je vous ai dispersé aux quatre vents des cieux. Yahvé s'adresse ici aux 12 tribus. Gardez-vous, gardez-vous, fuyez de la terre du nord. Déclare Yahvé. Car je vous ai dispersé aux quatre vents des cieux. La traite négrière, mesdames et messieurs. Attention, sauvez-vous. Sion, vous qui habitez chez la fille vierge de Babylone, vous qui habitez chez la fille de Babylone, car Yahvé Sabaoth dit ceci, vu que la gloire m'a commissionné, compte tenu des nations qui vous ont dépouillé, et quiconque vous touche à la prunelle de mon œil. Maintenant voici que je secourrai ma main sur elles, et elles seront dépouillées par ceux qu'elles ont asservis. C'est-à-dire, toute nation qui t'a participé n'a asservi 12 tribus, au moment millénaire est arrivé, côté 12 tribus, pour le dépouiller. Alors, vous saurez que Yahvé m'avait envoyé. Ouais, frères, mesdames et messieurs. Alors, vous savez que Yahvé m'avait envoyé. Alors, vous savez. Là, c'est l'Esprit Saint qui a parlé. D'accord? L'Esprit Saint dit, n'a pas connu que moi-même qui esprit dans le monde là, n'a pas connu que c'est bon Dieu qui veut me faire ça, qui me faire. Chantez, réjouissez-vous, filles de Sion. Car voici que je viens habiter chez vous, déclare Yahvé. En ce jour, en ce jour-là, en ce millénaire, beaucoup de nations seront converties à Yahvé. Oui, elles deviendront son peuple. Et elles habiteront parmi vous, et vous saurez alors que Yahvé m'avait envoyé vers vous. Nous prenons une deuxième pause, mesdames et messieurs, pour nous rafraîchir. Nous tournons rapidement pour nous bailler une petite explication de message. Nous chargons ses serviteurs pour nous bailler tout haïtien, tout juif qui vivent la caille, fille vierge Babylone. Et puis tout, pour nous tout conclure le sujet. Restez branchés. Tenez non, ces machines pour l'eau aussi. Eh bien, ma préférée, National Rent-A-Car. National Rent-A-Car, une compagnie de location nationale avec une flotte de voitures imposante prête pour toute destination. Ou sorti à l'étranger, ou voulez louer en machine, ou à marier, ou besoin en machine à meilleur prix dans une compagnie sérieuse et responsable, le seul nom à avoir en tête, National Rent-A-Car, que je vous invite à contacter au 4303 1551 au 3755 0055. Je m'appelle National Rent-A-Car. We'll be right back.
dans verset nous saute li là gien pile parole codé intéressant peut-être me penser nous ta même ban nous yon ti explication sou yo parce que chef là papaya by l'ordre à serviteur pour porter un message by tout haïtien qui dehors yo tout juif dispersé yo. C'est vraiment expliqué au déjà dans deuxième tome livre moyen. Mais bon, dis-nous rapidement ça me penser dans quatre trois paroles codé ça yo. Si c'est vraiment nous t'a aimé comprendre. Fille de Babylone ou fille vierge de Babylone. Fille de Sion ou fille vierge de Jérusalem. Chantez, réjouissez-vous, fille de Sion, car voici que je viens habiter chez vous, mesdames et messieurs. C'est extrêmement important. Trois paroles, ça y est, nous joignons dans le verset, nous te lis avant, dernière pause là. Vous parlez de deux filles et puis de une déclaration papa y a fait. Li di la vin habite la kay yon nan yo. Nan deux fi sa yo, yon se petite fi Babylone. Yo rele la fi vierge de Babylone. Babylone se kote yon politik satan ye. Et puis l'autre la se yon nan deux petites filles Jérusalem qui se Haïti ak Israël. Jérusalem se kote trône politik y avait ayé. Petite fille Babylone mariée avec prince malin en Belzébut. Alors que petite fille Sion mariée plutôt avec prince divin en Yeshua Jésus. Mais il y a un pile côté dans la Bible. Il y aurait les autour la fille vierge de Babylone et puis la fille vierge de Jérusalem. Pour qui ça? Prophétie aurait les au comme ça. Il y aurait les aux filles vierges parce que yo marié avec deux princes. Prince ak roi toujours marié ak femme vierge par femme qui connaît garçon déjà c'est une question prestige. Donc yon se fille vierge Babylone parce que li c'est madame presse Belzébuth tandis que l'autre là yo rele la fille vierge de Jérusalem ou de Sion parce que li c'est madame Yeshua Jésus. Mesdemoiselles, préparez-vous alors. Préparez-vous, moi j'ai trois princes. D'ailleurs, prête qui pral gen dans sa pral fête en Haïti là, pap marié femme qui pas vierge. À moins que c'est un remariage. Après pour vous, moi j'ai trois princes. Préparez-vous, mesdames, mesdemoiselles. D'ailleurs, prête pap marié femme qui pas vierge. À moins que c'est un remariage. Troisième bagaille, moi te vle explique nous dans verset sa yo qui paraît d'importance capitale. Ce petit bout de phrase ça qui code Haïti ak mission li gen pour construire premier merveille mondial là. Chantez, réjouissez-vous filles de Sion, car voici que je viens habiter chez vous, déclare Yahvé Sabaoth. En ce jour, en ce millénaire critiquement débuté en 2005, en ce jour, beaucoup de nations seront converties à Yahvé. Fille de Sion, voici que je viens habiter chez vous. Qui sa belle parole s'accorde? Fille de Sion, fille vierge de Sion ou de Jérusalem, c'est Haïti. Je viens habiter chez vous. Vle dit, c'est Haïti, papa y a bay mission pour construire troisième temple à Salomon. Nous parlons sous ça déjà. De ce temple fini depuis 2006, c'est joie d'attendre pour nous poser le premier roche là. Jour ça qui pape tant que tout jour pour l'humanité. Chers amis, tribu Joseph et puis tribu Juda, après tout ça nous sommes là dans deux vidéos ça yo, c'est deux tribus papa a choisi pour exercer sur la terre pouvoir politique li. Mais petit Joseph là, Jésus, c'est big boss là. Devant, mettez, m'pral mettez et puis m'a mette à genoux devant. M'a toujours mette à genoux devant. Que moi-même branche, roi d'Haïti, pour tout temps qu'un temps, à toute pression qui pral succéder mieux,
mettez à genoux pour le temps et puis l'éternité devant petit Joseph là, devant Yeshua Jésus. Qu'il en soit toujours ainsi pour le temps et l'éternité. Merci pour ton. Moi apprécier chaque homme qui fait contact avec moi et puis qui dit une vidéo mieux nourrir en pile. Bam tant nous. Ma bonne que les prophéties. Bam attention nous. Ma bonne nous dans ça nèg en l'air, il y avait sa barotte metté dans même pour nous. C'est tout ça me besoin. M'a besoin d'im nan men nou. M'a pas besoin en rien que volonté ou pour apprendre un autre bagay nouveau. Mais à tout nom qui contribue déjà dans grand travail ça. Nan mette studio sa campé m'a dit ou merci. Merci tout papaya. Pour tout nom qui déjà rejoint moi sur route sa vrai chemin l'évangile l'éternité. Ti route difficile là. Monde ça pas jamais accepter mais au même oui. Bienvenue pour vous-même qu'a rentrer jodia dans famille spirituelle ça. M'a dit ou ça va tendre là li à la fois ba la vie ak la mort. Majorité monde là rejeté. C'est pas un problème. Prophétie ou t'a annoncé. Moi pas ka plus grand que mettre moi. Sauve-moi Jésus. S'il vibre ou li bor la vie ou ap envie manger goûter m tout temps. Donc ou pral chercher m tout partout pour tande m. Mais s'il bor la mort, m konn sa k ap di nan tête ou la. Monsieur sa fou. Côté le sorti ak parole sans sens sa yo. Rappelo que m te répond nou OK. Merci chers sœurs et frères haïtiens ou non de toute race, de toute nation, de tout peuple. Je vous exhorte à continuer de manger votre aliment, votre principal aliment, et de boire son sang. Mais nous, nous sommes plutôt le dessert pour bien digérer cette principale nourriture, la Bible. À la prochaine pour ce nouveau sujet, le pendule biblico-prophétique de l'humanité, quelle heure m'a-t-il? Dans ce sujet, ça, nous parlerons les 6 jours et le 7e sabbatique. Nous parlons de la 2e et la 3e venue des 2 bras de Yahvé, Elijah et Moshe. Nous parlons de la 3e venue et la crucifixion. Écoutez, mesdames et messieurs, la 3e venue et la crucifixion de Yeshua Jésus sur terre et la trier. C'était votre frère, branche au micro pour vous servir. À la prochaine. La qui vient flambeau à l'arrivée, n'a pas suivi, qui parlait nous tendait. Canara nous parlait, désert n'a pas quitté, gagnons la vent soufflé. Nous souffrons, nous gémis, je dis à n'a pas réjoui, c'était bénédiction, mon l'a pas le ça oui, nous poils si haut pour fumer. Pour toute perte, nous c'est de l'eau qui pape jamais t'arrive.